Ruben, come on. Ouais, maintenant on est là. Yes. Bonsoir, Ben Lamé. Quelle manière? Aïe vous, Rachna? Vous trouvez une jolie couleur rouge derrière toi, Aïe vous, et Rachna, une sofa marimauve. Un vent, on dit. Mm. Donc, bonsoir, Ben camarade. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à une autre thématique, ben, différents sujets constitutionnels qui nous prend depuis. Allez, ça fait une bonne dizaine de jours, presque. Nous allons passer à une autre. Nous pour cause l'eau des droits humains, Bill of Rights, avec Ivo Danyan, qui est le professeur des droits humains. Entre autres. Avant qu'il me présente, Ivo Tanyan, qui je tout connais, je tout appelle le syndicalisme, il n'est pas content de ce dialogue-là. Ivo est un négociateur. Ivo a une licence en droit en France. Il fait une maîtrise, un master en droit en Angleterre. Et il négocie pour nous tous gratos. Bon, comment on fait une erreur? Pas gratos. Donc, Rachna Sinot pour accompagner moi, comment il peut faire depuis une semaine. Donc, pour prendre ma question, ma commenter à la fin. Mais avant de commencer, l'autre sujet passionnant qui concerne les droits humains, comment on appelle la Mauritian Bill of Rights, Zodi, rapport l'audit in sorti, comme d'habitude. OK? Donc, avec ce bon constat, et comme d'habitude, pas capable de faire un an, casse-bise dans le dilo, et il n'y a pas un problème pour ben parlementaire, il n'y a pas un problème si est tout pas pour la majorité parlementaire. Donc, nous, Parlement, temple de la démocratie, nous, speaker pour présider, semaine prochaine, pas connaît ce que je peux dire, et comme d'habitude, nous, speaker, ce job, c'est casse-tête l'opacité gouvernement, donc, il travaille ça tellement bien qu'il est récompensé récemment. Félicitations, monsieur le speaker, pour au titre de GSK. Donc, entre-temps, ça bon la paix, il peut gagner là, hein, il peut tracer bien sur la vie. Et si nous comparons ça avec la veuve de monsieur Kisten, il n'est pas bien payé. Donc, une majorité parlementaire peut faire tout pour les dénigrer. De l'autre côté, dans nos parlements, M. Ganou Diaou, quand pose question l'eau Sudan, est-ce qu'il y a encore, il n'y a pas encore, une foule idéo, une foule idéo en dehors de l'Arabie, pas saoudite, reconnaît la vérité, pas gagné, droit de réponse, pas gagné. Et nous pouvons justement le bon droit. Droit des citoyens mauriciens. Donc, au niveau ben droit dans nos constitutions, qui concerne, moi aussi, qui était si beaucoup à partager ça avec vous, chapitre 2 de la Constitution, Protection of Fundamental Rights and Freedoms of the Individual. Si partage là, roulez, nous essayons une petite écoute. Non, les papiers morts, c'est ce qu'on dit. Pas fait, non, rien. Donc, mais avant nous cause la Constitution et manière qui décrit le bon droit, nous pouvons, Ivo Tanyan, pour présenter nous la charte des droits humains, des droits fondamentaux du Mauricien, écrit par l'Union citoyenne, qui en fait reprend la même chose d'une manière différente. Donc, Fundamental Rights and Freedoms of the Individual, Protection of Right to Life, Protection of Right to Personal Liberty, etc. Donc, Freedom of Expression, donc, nos camarades Rachna qui l'a, ils connaissent bien ce que ça veut dire. Donc, ils connaissent les bizarres assourdisos, cause ticket, écrit beaucoup de Facebook. Donc, parce que so Freedom of Expression, in a certain limit. Bon, camarade, bonsoir. Salut, bonsoir, Ivo. Bonsoir, Dave. Bonsoir. Rachna, correct?
Donc, si tu as 2 mois à dire, après qu'il nous démarre avec Algo. Ben, moi, me penser, ça, c'est un sujet qui tout le temps me dit à bien enseigner dans l'école, ça. Il bien inclus dans le système éducatif à Maurice, parce qu'ils m'ont réalisé qu'il y a beaucoup de monde par contre de basic rights qui garantit par la Constitution. Alors, me saluer Ivo, pour l'hyper simplifié ni pour ben des gens qui pas au courant, qui pas nécessairement une connaissance dans sa human rights là. Et merci beaucoup Ivo, et moi écoute toi moi aussi parce que je suis vraiment intéressée à connaître parce qu'il y en a beaucoup qui ne m'ont pas connaître. Alors moi écoute toi aujourd'hui. Merci Rachna. À tout à l'heure, nous joignons Ivo Schutman. Alors, merci Dave, donne-moi l'occasion, partage un peu quelque chose au sujet là avec Zut. Bien sûr, pour commencer, je vous présente Zut. Ah, ça ne marche pas moi aussi, mon mec là, voilà. Parce que l'intelligence artificielle, je trouvais à quel point elle est intelligente. Donc là, c'est le petit livret que l'Union citoyenne, ils mettent en page, une réalisée. Bon, commence par tout simplement lire premier partie qui est dans sa document là. Bon, pour lire ce article 1, après nous avoir vu l'autre préambule, éventuellement nous aura qu'à discuter de ce préambule. Lisez comme ça ce article 1, la République de Ivo, Maurice est un Ivo, État. Ivo, tu es capable d'essayer, moi, bon, tu fais que sans setting, normalement, tu es supposé capable de faire. Si tu te laisses aller. Non, non, moi, parce que je Non. veux te l'écran. Directement depuis l'homme l'écran. Ouais, non, moi, pour vous en faire une manip l'homme téléphone, alors que moi, je cause zut, meeting, moi, je un coup. Parfait, non, il y a plus tard, on va Sinon, partager. te dis à moi, mon ami, écoute, moi aussi, je suis capable partager quand tu te dis à moi, je suis bien en même temps. Ben, éventuellement, tu partages l'article 1 de. Le préambule ou l'article 1? Non, l'article 1. L'article 1. OK. Nous commençons avec l'article 1. Après, nous avons vu le préambule. Pas de problème. Carry on. Ce qui est important, nous comprendre, c'est que l'article 1 dit que la République de Maurice est un État souverain et démocratique. OK? À ce là, quand nous guettons nos constitutions, l'IEM, nos constitutions, ce article 1 dit Mauritius shall be a sovereign democratic state which shall be known as the Republic of Mauritius. Et il y a trois affaires qui nous besoin de noter, Lola. Trois affaires qui nous besoin de noter. Déjà, la proclamation des droits que l'Union citoyenne fait, eh bien, quand il reprend ça dans ce article 1, il reprend exactement l'article 1 de notre Constitution pour proclamer des droits fondamentaux au nom des citoyens. Qui fait PFRA? Comment Rachelin dit, c'est un sujet qu'ils enseignent dans l'école, ça. Bien Qui sûr. vient enseigner dans l'école, qui vient apprendre dans l'école, qui était nos fundamental rights. Bon, revient l'autre expression, c'est une servie l'expression Bill of Rights, Dave. Bill of Rights, quand nous allons Internet, nous tape Bill of Rights, nous mettons un goût sur définition. Il dit où, comme ça? A summary of fundamental rights and privileges guaranteed to people against violation by the government. Effectivement, c'est exactement là-dedans qui la proclamation des droits fondamentaux au nom des citoyens, qui l'Union citoyenne fait. Et c'est justement ça le cœur de la motivation, l'objet qui fait l'Union citoyenne fait lui, c'est parce qu'ils ont dit, comment Rachna peut dire, et comment nous tous d'accord, l'eau, sa plateau là, ils ont dit, dans Maurice, ils ne par contre ce droit, lui. Les condis, et tu as un contact, et tu as un contact à faire moi, et tu as un contact à faire moi. À cela, article 1 là, qui fait à mon pensée, article 1 nos constitutions et article 1 qui dans la charte proclamation des droits de ma citoyenne, il m'a rien pour autant parce qu'il y en a trois termes là-dedans qui m'a rien pour autant. Premièrement, il y a le mot république. Une république,
c'est une organisation étatique que le chef d'État a pour devoir d'assurer les fonctions dans l'intérêt des citoyens. Ça, c'est une république. Quand on parle de république, très souvent, nous cause de république romaine. Man romain, il popularise ce concept-là. Toute la guerre qu'ils ont fait dans le monde entier, c'était pour la citoyen romain qui ont pu faire ça. À ce là, la république, donc, c'est un chef d'État qui a la responsabilité d'agir dans l'intérêt des citoyens. Mm-hmm. Et une deuxième, il y a dès les autres mots qui importent que nous mettons dans section 1 de nos constitutions, c'est démocratique et souverain. Dans nos constitutions, il y en a ça, hein. Souverain et démocratique. Souverain, c'est le pouvoir de faire des lois et de modifier des lois. Simple. Souverain, c'est le pouvoir de faire et de modifier des lois. Et avant qu'il nous vienne une république, par exemple, c'était les rois qui tiennent à ce pouvoir-là. Dans Maurice, nous tiennent un conseil. Conseil-là, il te fait ce qu'il a rien à dire. À ce là, comme une république, nous souverains, c'est le peuple qui est souverain et il exerce sa souveraineté à travers un processus démocratique. C'est-à-dire qu'il est choisi à son représentant. Et ça, quand nous causons de démocratie, très souvent, nous causons de démocratie grecque. C'est même grec qui popularise le concept, entre guillemets. Mais seulement, il y a une différence entre ce qui nous comprend de la démocratie grecque. Quand, avant, si nous résumons la démocratie grecque, c'est la capacité de choisir ses représentants. OK? Ça, c'est la démocratie grecque. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, quand nous causons démocratie, il y a tout ce qui t'en appelle Bill of Rights, là, Dave, qui est attaché à ça. Ça veut dire que dans la démocratie aujourd'hui est attaché tout bonne liberté et bonne droit fondamentaux. Si aujourd'hui nous avons un État démocratique et souverain, une république démocratique et souveraine, mais ça a un droit qui nous peut causer et qui nous peut causer aujourd'hui là, c'est quelque chose qui est inaliénable. Dans nos constitutions, il y a section 1 et section 2, il y a une particularité de section 1 et section 2. Section D dit que la constitution, c'est la loi suprême. Qui n'importe qui les autres la loi qui pas compatible avec la constitution, les considérer comme les pas valides. Ça, c'est section D de nos constitutions. Ah, c'est la section 1 et section 2 de nos constitutions. C'est qu'il y a de particulier avec sa section là. C'est qu'il est obligé passe par un référendum populaire. Poussant sa section là. Donc, nous voulons nous parler. Ben, dix mounes qui peut diriger nos pays, aujourd'hui, je peux diriger, comme j'ai une dictature bananière. Mais je te laisse parler, le pays supposé être une démocratie, une république souveraine et démocratique. Qui bizarre, donc, préserve tout ça, ben, droit et liberté fondamentale qui, ben, citoyens, non, là, et qui nous peut trouver ensemble, là, aujourd'hui. D'accord, ok, ben, ça, ben, droit, là, c'est déjà là pour la plupart, mais il n'est pas respecté. Bien souvent. Non, il n'est pas respecté. OK. Donc, nous pouvons nous là vers la fin. Vas-y, Evo, continue. Alors, d'abord, il est important qu'il nous connaît que section N jusqu'à section 16 de nos constitutions, section N jusqu'à section 16 de nos constitutions, justement prend tout ça ban élément qui nous appelle ban droit et liberté fondamentale. Hein. C'est la section N à section 16. Qui est là dans sa section N à section 16 là? Mon fait dire autre section N qui lui dit, section D lui dit qui constitutionnalise supreme law, section 3 lui dit fundamental rights and freedom of individuals, lui rentre, section 3 dit qu'il inexistait et qu'il peut toujours exister dans Maurice, ça m'a un droit et liberté fondamentale. Donc, bien qu'il lui dit, là, dans section 3 de la constitution, lui dit, has existed and shall exist. On lit exactement comment il était, parce qu'il m'a pensé, il est tellement faux, sa section 3 là, qu'il n'est pas capable de passer à côté sans lire, pour qu'il, Jimoun, comprend ce qui nous peut causer aujourd'hui là. C'est pas une affaire qui, pour nous, ça, hein. C'est nos droits qui nous gagnent en même temps que nous, l'indépendance. Quand nous gagnons l'indépendance, nous gagnons, ça va, droit là aussi. Il y a un petit problème, là, l'écran, mais le son, quand il y en a un beau, moi, c'est réglé ça entre temps là. Donc, le laptop peut gagner un baiser, puis rentrer dans l'AS. Continuez toujours. Le son peut correct pour faire régler le problème. Donc,
Donc, la section 2, moi, je reviens dans la section, section 2 avant de revenir dans la section 3. Section 2 qui dit, sorry, un coup, hein. Alors, the constitution is a supreme law, Mauritius, and if any other law is inconsistent with this constitution, that other law shall, to the extent of its inconsistency, be void. Ça, c'est section 2. Section 3 dit, it is hereby recognized and declared that in Mauritius, there have existed and shall continue to exist without discrimination, au pas de law-là, the following human rights and fundamental freedoms. The rights of the individuals to life, liberty, security of the person, and the protection of the law. Freedom of conscience, expression of assembly and association, and freedom to establish schools. The right of the individual to protection for the privacy of his home and other property, and from deprivation of property without compensation. Donc, section 3 de nos constitutions, Pévin Diaou, qui have existed and shall continue to exist. Et c'est pour ça qu'il me dit, il est important qu'il nous comprend, qu'il s'amène droit là, il n'est pas, comment dire, juste néo-l'indépendance, ça. En fait, quand l'indépendance est arrivée, nous prenons avec nous, ben, les libertés et les droits fondamentaux qui nous héritaient depuis l'époque de la Révolution française. Bon, rappelle-je qu'à l'époque de la Révolution française, depuis 1789, 1791, 1794, 8e, c'est à l'époque-là, Maurice, tienne république, et tient appelée l'île de France, et il pas tienne république, justement, il tienne pays, qui tient, sous la tutelle, sous le, c'était la propriété de la France à ce moment-là. Et quand la France fait sa Révolution française, il n'avait une constitution qui, justement, reprend les idéaux de qui fait la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme en France. Donc, nous, ensuite, en 1815, nous gagnons la Convention de Paris, côte français et anglais tombent d'accord que l'île Maurice ou pour anglais, mais là-dedans, il y a une section dans sa Convention de Paris là qui dit qu'il nous pour conserve les us et coutumes, et qui conserve les us et coutumes, ça veut dire conserve les droits. Correct, là. Ça veut dire déjà, nous, on a déclaration des droits de l'homme depuis 1791, nous, on a dans nous ADN, l'ADN mauricien, et on a ça. À cela, vignem, et on a une autre déclaration universelle des droits de l'homme qui fait, à ce moment-là, après la Deuxième Guerre mondiale, celle qui est donc connu aujourd'hui comme la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. OK? Ça. Et qui nous tient à ce moment-là? Nous tient une colonie britannique? Un pays signataire de sa charte-là. Ça veut dire nous sommes signataires aussi de la Déclaration des droits de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale. Et qui nous trouvait? Nous trouvait qu'il y a une jurisprudence aujourd'hui qui clairement établit qui nous est là ça lien nous on a ça lien indéfectible là avec c'est la Cour suprême et Privy Council tous les deux qui trouvaient qui discussing the principle of equality in Mauritian constitution law also referred to 1794 proclamation in deciding the extent to which this principle not specifically mentioned in the constitution, has always existed in the country. Donc, à partir de là, moi, je pensais qu'il y a une affaire comme ça, ça qui motivait à apprendre dans IVS l'école. C'est moi, on n'a pas d'apprendre ça jamais dans IVS l'école. Donc, quand nous continuons depuis section 4, qui cause la protection de la vie, section 5, qui cause la, dans qui condition ou qu'a privé du monde de sa liberté, section 6, qui cause protection contre l'esclavage et travaux forcés, section 7 qui cause protection contre le traitement inhumain, section 8 qui cause pour protection contre deprivation of property, ça veut dire race ou propriété ou race c'est qui ou propriété c'est qui ou bien race ça depuis ou possession, section 9 qui cause la protection de l'intimité de la maison
et des autres propriétés qui nous appartiennent, section 9, section 10, qui cause provision to secure protection of a law. Moi, quand je trouve ça, provision to secure protection of a law, mais encore une fois, comme on guette dit, la loi qui peut faire dans un pays, là, elle n'est pas là pour protéger nous, yes, malheureusement. Ah non, tu es capable de revenir dans la section 8 par rapport à deprivation of property. OK? Pour votre camarade qui peut deprivation of property. Comment te définir the property? The property is not necessarily the house or the home. Non. Propriété, peu importe. Comment on peut dire, ça plie mal, it's my property. That pen is my property. Aussi longtemps que mon capable. Ce n'est pas beaucoup qu'un t-shirt, en tout cas. Mon t-shirt est... Allez, continue. Ouais. Donc, en fait, sa section qui, dans laquelle te plaisir est revenu là, il m'a réintéressant, sa section-là, parce qu'il est modifié plusieurs fois ça. Sa section-là, dans sa section-là, il amène un amendement, notamment en 2015, il amène un amendement, 2015-2016 à peu près, l'étant une fair good governance and reporting. Integrity reporting, yeah. Il modifie la constitution. Une modification constitution qui fait parce qu'il est bien capable d'inclure dans deprivation of property ben des gens qui n'ont pas été capables de justifier comment je n'atteins bien. Et ça, c'est un target normal. Bien mal acquis. Exactement. Alors, ça, c'était normalement pour target blanchiment d'argent et trafic de drogue. OK? Mais aujourd'hui, non, en 2021, combien de kilos la drogue est saisie en coopérant entre eux dans ce pays-là? Combien quelque chose à cette recovery une PMF saisie? Mais en même temps, est-ce que problème la drogue peut réduire dans nos pays aujourd'hui? Donc, moi qui fais un mauvais dire, je suis intéressant, nous mettons en section 8 là, parce que dans ma petite vidéo qui m'a fait faire, à mon niveau, pousser, explique la constitution à mon camarade qui est intéressé, connaît, eh ben, section 8, moi, je prends beaucoup de temps pour passer sur là parce que, premièrement, il modifie sa section-là plusieurs fois pour justifier the deprivation of property. OK? Pour faire living légal. Tant que là, quand il fait ça dans le cadre de sa good governance and integrity reporting bill-là, quand il fait ça, mais le but, c'était supposément pour la guerre contre le trafic dans la drogue, pour réussir à récupérer quelque chose exotique, pour injecter sa casse-là dans le combat contre le trafic de la drogue, moi, supposer, moi, espérer, en tout cas. Mais, j'ai dit qu'ils nous trouvaient. Nous trouvaient qu'effectivement, je peux saisir côte du monde. Et ça, man, du monde qui je peux saisir côte d'autre là. Man, tirer qu'un, hein. Man, requin, les dents peuvent commencer à pousser ça. Mais c'est bon, man, là. Petit poisson. Exactement, je pourrais saisir bateau, je pourrais saisir, je sais pas, ban gros bolide, je sais pas qui, ban lichien, je ne saisis lichien qui dit, mouné, n'a pas de capable d'expliquer, je l'origine qui, côté ça, je ne gagne pas lichien. Ban lichien là, c'est d'aller dans la Chine, pas. Ban lichien là, c'est n'a plus beaucoup les dents qui les quatre, mon cas, dire toi. Les dents, lichien là, c'est n'a plus les dents qui les quatre. Mais en tout cas, je modifie la constitution pour faire des affaires pareilles, mais en même temps, quand pour cause, par exemple, pour améliorer nos démocraties, et comment pour faire pour inclure une dose de proportionnel, ou bien comment pour faire, pour tout simplement, une affaire qui bizarre fait la dernière élection, c'est-à-dire, enlève complètement ces affaires qu'a fait la communauté là, dans le processus électoral. Ça, je n'ai pas qu'à faire. Ça, je veux dire, où je n'ai pas qu'à faire. Donc, à ce là, moi, envie de dire que d'un côté, dans nos constitutions, il y en a ce que je n'ai pas qu'à faire, il y en a ce que je n'ai pas envie de faire, et puis, il y en a aussi ce qu'ils ont ignoré. Et c'est là-dessus que moi, je suis content ce soir de nous mettre la lumière. Moi, tu fais cause la section 10 de nos constitutions qui cause le to secure protection provisions to secure protection of the law. Nous, on a section 11 qui cause protection for freedom of conscience. Bon, rappelle autres qu'ils ont dit, ben, rasta dans nos pays, je suis pas libre pour pratiquer notre religion, comment je t'envie, hein. Ben, rasta dans nos pays, je n'ai pas libre. OK? Et pourtant, dans nos constitutions, il y a protection of freedom of conscience. Et nous constitution dire constitution is supreme law. Comment nous capables d'expliquer une affaire comme ça en prenant des choses aussi simples que la constitution? Sinon, il y a un bout de talier là qui me passe là, mon pan, mais plus tard on va revenir là. C'est
nous avons section 11 de la Constitution qui cause protection of freedom of expression. Rachna, directement concerné par ça. Freedom of expression, protection of freedom of assembly and association. Là, je peux venir, je peux dire, nous déconfinons partiellement. Juste 5 du monde qui a un droit à rassembler. Mais, ailleurs, freedom of assembly and association. Donc, il y a section 14 qui cause au freedom to establish schools. Section 15 qui cause au freedom of movement. Et section 16 qui cause aux protections contre discrimination. À cela, nous passons ça vite fait en revue. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans le document qui l'Union citoyen INFER, dans ce document-là, ou pas pour trouver comment il est écrit dans la Constitution. Disponible en ligne, l'eau, mon passe personnel, ça, ou alors l'eau, passe Union citoyen, mon pensée qui, document suffisamment en ligne pour qu'il soit en vie, un lit ou qu'il y a un lit, même, mon pensée, même il y a certains journaux qui ne publient lit, mais très, très peu, parce qu'il, malheureusement, les femmes gagnent le focus qui vise. Et c'est là qu'il nous a comprend. Qui fait. Est-ce qu'on rappelle, vous rappelez à vous, ce document-là, tu remettes, leader d'un parti politique avant la réunion, avant la réunion du 13 février, qui s'est fait un document en phase de négociation, hein, en quelque sorte, ça 36 points là, tiré mes souhaits, avant la réunion, pour qu'on discute là, pour guetter le quoi, être d'accord, etc. Hein, pour que tout le monde comprend que M. Bérancé, M. Ramgoulam, M. Tival, M. Badin, je suis tiré ça. Ok, après tu demandes zot, oui, oui, en gaz zot l'eau là. Ouais, c'était un petit peu ça le, oui, le début. Vas-y, carry on. Oui. Ben, ce qui est important, qui était l'eau là, c'est que, par exemple, c'est qui une faire dans sa programmation des droits là, c'est qu'une faire, exactement, c'est qu'une faire, c'est quoi? C'est rendre accessibles les droits constitutionnels. Je vais lire section 3 de la charte avec eux. Section 3 de la charte dit chaque Mauricien a entre autres liberté, la liberté de penser, de conscience, d'opinion et d'expression et dispose du droit d'en faire usage à travers tous les moyens de communication existants ou à venir. La liberté d'expression et l'obligation qui en découle de ne pas en faire usage pour attiser la haine et la discorde est une valeur fondamentale du mauricianisme. Cette section-là, les bases, les law, freedom of expression, qui nous est là dans nos constitutions. Mais en même temps, il fait appel à la responsabilité de chacun. Parce que bien souvent, nous disons, eh, bon, libre, on a droit à causer, mais on va faire. Non, ou libre, oui, mais ou liberté, arrête, quand liberté, l'autre, là, commencez. Exactement. Pas grave, libre à tout. Non. Et donc, c'est ça qui, ce document-là, il fait. Ce document-là, pour moi, il mérite et il est absolument nécessaire qu'il fasse 1000 copies, ça. Mais moi, je pense que si vous avez carrément 1 200 000 copies, peu importe combien de quantité mauricienne hein, dans Maurice, mais tout si vous avez une copie. Parce qu'il là-dedans, nous pouvons comprendre qu'il y a un élément là-dedans qui t'apprend, qui part à une affaire qui lie à un droit constitutionnel, ou bien qui lie au fonctionnement d'un État démocratique. Ça veut dire que quand l'État démocratique, il y a une règle qui est respectée. Accountability, transparence, il y a une règle que l'État démocratique doit épouser. C'est pas une option, ça. C'est pas si moi en vie. Get par exemple, aujourd'hui, maintenant, un député de la majorité gouvernementale peut causer le Radio Plus. Il peut venir défendre l'indéfendable. Il peut venir défendre au gouvernement vis-à-vis du rapport de l'audit. Il peut dire où comme ça, l'audit se travaille, même ta critique. Et quand journaliste là, j'ai lu, ben, dans certains documents, il l'audit, il ne demandait pas de gagner, parce qu'il y peut servir ça comme argument pour justifier. Il dit comme ça, ben, l'audit, je ne pas connu, je pas connu exactement tout ce qui est arrivé, je n'ai pas critiqué. Mais, ben, camarade, Dave, en fait, je peux montrer à qui point je n'ai pas croire dans la démocratie. Je n'ai pas croire dans la transparence. Je n'ai pas croire dans l'accountabilité. Je ne crois dans aucun. Et je dis, ne n'aime pas. Donc, je gagne payé avec la monnaie publique, OK, pour je découler même. Peine à compte pour rendez-vous. Tout à fait.
tout à fait. Mais moi, partage avec nous, mon camarade, hein, donc, il y a 3 semaines de cela, donc 100% citoyen de ce bureau exécutif, tu passes 3 semaines à 4 semaines de cela, tu passes le document de l'Union citoyenne, et dans ce l'ensemble, 100% citoyen, il approuve la charte de l'Union citoyenne. Parce qu'il est tout à fait normal, c'est 36. Il n'y a pas qu'à débattre ce point-là, en fait. Alors, moi, je veux dire, pas qu'à débattre, sauf qu'il y a un leader qui nous joigne, et il y a 2 points qui sont relevés. Il y a 2 points qui sont relevés. Je veux dire, nous, je peux dire, je veux dire, un point qui va l'inciter là. Hein? Il y a juste 2 points qui va l'inciter. Un point qui dit dans ce document-là, qui n'est pas capable. Puisqu'il des fois ou être député. Ça veut dire qu'on est député, c'est 2 mandats. Pas plus de 2 mandats. Nous ne pouvons pas cause premier ministre là. Nous pouvons cause député. Pas plus de 2 mandats comme député. Ça, je tique l'eau là, je ne comprends pas. Normal, je peux tiquer. Et n'a pas assisé dans ce parlement là depuis les années 76. 1976, et n'a pas assisé dans le parlement depuis 76, c'est minimum ça, je dis. Combien de mandats il fait ça? Ça haine. Je ne réponds, hein. Je ne pas répondre beaucoup section dans le document là, dans ma discussion qui nous gagnait. Mais il y a des éléments qui je ne prends. Je ne prends un premier élément là, des deuxièmes éléments qui je ne prends qui étaient. Je ne dis comme ça, et sans ou dans le document là, dans la charte, mon Rodley, il dit comme ça qui. Parlement bien siégé, minimum 100 jours par l'année. Parlement bien siégé, à l'aïla. Le Parlement doit tenir un minimum de 100 séances par année et le calendrier parlementaire doit être rendu public avant le 30 janvier de chaque année. Encore une fois, ça nous peut faire référence à nos constitutions, hein, parce qu'il y a un État démocratique où il peine à ça dans nos constitutions. Clairement, peine à écrire dans nos constitutions qui Parlement bien siégé 100 fois. Seulement, nous peut faire référence à une notion de la démocratie dans nos constitutions. Donc, ça, des points-là, OK? Ben, là, il est relevé. Pour dire, nous, comme ça, ouais, ben, bizarre, discuter, quoi, ça. Mais dans ça, là, notre carail, tu peux sûr, parce qu'ici, pas si je suis les autres, pas si pour une manifestation le 30 février. Donc. La vie de Jagna, tu peux se dire, ça, tout à fait. Mais ben, peut-être, moi, même. Exactement, pas. Exact. Moi, j'ai sporté avec mon camarade qui pas trop suivent ou qui peut-être pas trop connaît au niveau sitting parlementaire, hein. Donc, par an, à peu près 40 jours, nous parlons siéger. Oui, à peu près. En 2014, c'était une mari l'année, je narcissais dans le Parlement, plaque F là-bas, 18 jours. Je n'ai pas payé plein tank. OK? Donc, pour mon camarade qui n'a pas connu, un député qui a payé 159 000 roupies quelque chose par mois, qui dit travail, qui dit pas travail, il a payé. Qui est assisé, qui n'est pas assisé dans le Parlement, il a payé 159 000 par mois. Après, la fin de l'année, moi, t'en dis, nous a fait, c'est pas gratuit, 25%, une histoire comme ça qui est rentrée. Donc, il fallait qu'il y ait un citoyen mauricien ainsi, servir l'esprit un peu, comprend un peu. OK? Donc, sans ou, ben, les 10, des fois et demi, plus, qu'est-ce qu'ils ont fait faire ça? Right? Dans les autres démocraties, les minimums 140, 150 jours. Maurice considère Westminsterien discute souvent pas comprendre F Westminster là. Westminster, c'est 150 jours, c'est plaqué là-bas. Je travaille 5 jours, l'eau 5, le calendrier parlementaire. Ça ne veut pas dire qu'un député, il peut assiser dans le Parlement lundi jusqu'à vendredi. Mais il y a un timetable. Donc, de même pour causer un peu plus avec mon invité qui me pour annoncer tout à la fin, parce qu'il faut causer la démocratie pour augmenter justement. Aïe, carry on. Oui. Alors, ce qui est important qu'on prend aussi là-dedans, c'est qu'il y a une démocratie fonctionnée. Mais parlement, bizarrement, c'est. Nous connaissons aujourd'hui dans Maurice, parlement pas fonctionné. Mais pour moi, pour nous capables d'avancer dans cette semaine-là, tant qu'il y a des gens, tant qu'il y a des Mauriciens, pas prendre conscience de ce droit, pas connaître ce droit, pas intéressé pour connaître ce droit, mais nous pas pour avancer dans ce terrain-là. Est-ce qu'il nous reste dans la logique du favoritisme, du copinage, ou bien qu'on dit moun pour me faire quelque chose? Avant qu'il nous avance, Dave, moi, tu as content de lire une partie de préambule qui a
accompagne la charte. On peut lire en créole parce que la charte li traduit en créole, une inversion créole de la charte. On peut lire une partie qui, au fait, concerne nous l'identité en tant qu'Mauricien. Nous l'identité qui nous faisait conscient, il tout fait, depuis tout bon année qui est là, il tout fait. Et aujourd'hui, ben, le mouvement, comment nous-mêmes, 100% citoyen, ben, le mouvement, comment l'union citoyen, qui peut envie de défendre le mauricianisme, ben, nous pas bien vu du système. Comme on dit, nous pas bien vu du système, les médias traditionnels, les partis politiques traditionnels, tout ce qui fait vivre l'eau, le piétinement du mauricianisme depuis 52 ans, ben, vous autres, ça, ben, quelque chose qui nous permet d'amener l'avant là, n'est pas bon. Donc, mon lien rapport, c'est là, vous autres. Ça sort là, et n'a pour l'objectif, proclame, ben, le principe qui résulta, ben, droit et liberté fondamentale qui garantit par Constitution Maurice et qui nous l'organisation une décide pour défendre. Des trois paroles d'introduction. Tout Mauricien et n'a droit décide d'après ses propres histoires, qui soit appartenance ethnique, son identification culturelle et sa façon de vivre. Son appartenance. Aïvo, souris, est-ce que tu dois lire l'écran? Il paraît être l'écran ou pas? Oui, il paraît tourner l'écran. Ok, hein. Allez, right. Allez, carry on. Okay. Donc, sur appartenance ethnique, culturelle et historique, pas capable et pas besoin de servir contre lui pour faire lui du tort. Aucune la loi, pas capable, le plan humain, interdire droit ou reconnaissance ontologique, aucun Mauricien, d'après sur appartenance ethnique, culturelle et d'après sa façon de vivre. Ça sort là, déclare contraire et droit fondamental, ban Mauricien, tout système politique, économique et social qui par n'importe qui mécanisme, pratique, nihilisme, culturel et historique, qui favorise hégémonie et domination, un groupe par un autre. Moi, arrête-moi là, c'est seulement premier paragraphe là, ça. Et mon réponse à dernier pas, sa dernière la ligne là. Il dit comme ça, sa dernière la ligne là, sa sorte là déclare contraire avec droit fondamental, ban Mauricien, tout système politique, économique et social qui par n'importe qui mécanisme, pratique, nihilisme, culturel et historique qui favorise hégémonie et domination un groupe par un autre. C'est exactement ce qui nous peut vivre aujourd'hui. Il y a un groupe qui peut dominer tous les restes. Qui est ce groupe-là? C'est un groupe qui a pouvoir depuis 52 bananes. Ah, c'est là quand nous les attaquons sa question-là, je t'amène le point communal. Dès qu'il les attaque le fait, il attend. Qui communal ou peut cause au moins? C'est même 10 mounes qui ont pouvoir. Et il y a trois générations qui succédaient le PMSD, il y a trois générations qui succédaient. Le MSM et le MMM, tous les deux, il y a deux générations. Dans le gouvernement aussi, il y a une génération qui peut suivre. Donc, on peut protéger la dynastie, mais seulement quand on peut une attaque ce système dynastique-là, les là, je peux lever le paravent communal. Il faudrait dire qu'il y a un certain abêtissement de nos populations. Il y a un certain abêtissement de notre population qui pas peut comprendre et pas peut trouver qui, en fait, le seul problème qu'il y a aujourd'hui, c'est nos manières de voter. Tant qu'ils nous continuent de voter, c'est banane qui dit à nous voter, mais nous pouvons toujours gagner un résultat. Le gouvernement qui nous menace aujourd'hui, on ne peut pas dire des affaires de nouveau là. Et ce qui nous peut essayer de faire à travers cette émission-là et à travers cette charte-là, c'est cause de la valeur qui nous est dans nos constitutions, dans nos droits et libertés fondamentales qui nous, en tant que Mauriciens, nous devons apprendre comment se revendiquer. Parce que tout banane qui est là,
Nous pas continuer à manifester contre. Nous devons commencer à manifester pour les droits qui existaient déjà pour nous depuis des centaines d'années et qui nous bannent en cette in legno. Donc, je prends l'autre section. Attends, je gagne un problème encore une fois, là, parce qu'on est équipé de passer, comme mon portail, ça s'affaire là, il sautait. Et l'eau. Écoute, il est arrivé là. Aïe là. L'eau. Mais laisse-moi lire section 9, les temps qui te rodaient, toi. Moi, lire section 9 de la charte des droits de l'Union citoyenne. Alors, les Mauriciens ont droit à l'égalité pour tous devant la loi. Dans une société qui pratique l'intégration sociale, comme le droit au logement ou tout autre droit relatif aux besoins essentiels du citoyen. Les moyens et les ressources dont disposent ou ne disposent pas les citoyens mauriciens ne peuvent être des motifs épargnant l'État de sa responsabilité d'assurer l'intégration sociale. Alors, dis-moi une cause, ça vaut parce que c'est bon, mais ça. Dit pas dans la Constitution, ça. Un droit au logement, par alors, exemple. Droit au logement, pas dans nos constitutions. Mais te référer à une autre section, où c'est supposé, là. Non. Là, nous pouvons faire appel à un droit fondamental. D'accord. Ça veut dire, il y a quelque chose qu'ils ont dit fondamental dans nos sociétés qui ont besoin qu'il y ait un logement. Tout à fait, non. Tout à fait d'accord. Toi, aujourd'hui, nous supposément un high income country, ben ok, soit nous tapons l'estomac et nous faisons ce qu'il y a à bouffer ou pas. Oui, et puis surtout, dans nos systèmes, nous avons tendance très souvent à inverser la charge de la responsabilité. Inverser la charge de la responsabilité, côté AB, Dimounla, P. Pas capable de gagner, comment on appelle ça, dépôt. Et dans ces cas, ou déposer. Les besoins font des efforts, gagner ce dépôt. Aujourd'hui, tu m'as joué à le faire commission, on a le supermarché. Vous avez 50 000 personnes qui travaillent dans le supermarché là. Vous connaissez qui s'appelle des gens là. Je ne peux pas gagner plus qu'un grand maximum 15 000 roupies. Hein. J'ai dit là, moi, je ne connais pas connaît comment un djimoun fait pour vivre un mois avec 15 000. Je ne connais pas. Et il y en a beaucoup, il y en a des centaines de milliers de Mauriciens, j'ai dit, qui peuvent vivre avec 15 000 roupies. Moi, je suis content si il y en a djimoun là qui peut guetter nous là, qui a vu nous dire à moi clairement, là, il a comment nous faire pour vivre avec 15 000 roupies, et qui je peux vivre. Moi, j'ai envie de dire, sans être dans le besoin, c'est-à-dire sans priver eux-mêmes ou eux enfants de certaines quelque chose qui est essentiel. Dans l'essentiel, on comprend le loisir aussi, hein, parce qu'il ne faudrait pas quoi, qui comment dire, ah ben, on prive moi de tout loisir, mais c'est pas grave parce que loisir, à mon considéré comme un luxe, pas du tout. Ça veut dire, j'aurais dit avec 15 000 roupies, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ne sont pas capables d'imaginer. À cela, ce paragraphe-là, il commence par « Les Mauriciens ont droit à l'égalité pour tous devant la loi. » Une seconde, je reviens vers toi, au niveau droit au logement. Est-ce qu'il te connaît qui pourcentage de la population mauricienne qui est propriétaire de la case, de l'appartement, par exemple? Ça, si non, il est disponible quelque part, ça? Il faut en péter ça, on peut checker en même temps là. Par contre, si, enfin, nous préférons passer par ta zone d'écran, comme on dit bien nous après. Donc, en 2019, the rate of home ownership in Singapore was approximately 90.4% of the population. Singapore has a high ownership rate, largely due to the successful public housing scheme under the Housing Development Board. Donc, ça, il nous paraît le 16 février, le 14 février 2021. Donc, là, nous pécons en 2019, 90,4% de la population est propriétaire d'un logement à Singapour.
OK? Donc, il y a un pays, il fait ce qu'il vient faire. Et dans les autres pays, il peut faire, ben, il peut faire rien de l'autre manière. Et Maurice vient pour aussi un pays qui travaille à l'envers. Oui. Alors, surtout qui, dans nos pays, en fait, nous connaît que le problème là été. Moi, je suis content, rappelle mon camarade qui est chez nous là, qui le premier budget de gouvernement Jagnat, premier budget qu'il fait, l'indire qu'il identifiait 60 poches de pauvreté. L'identifiait 60 poches de pauvreté. Mais aujourd'hui, mon envie connaît moi, 6 ans après, qu'il fait pour ces 60 poches de pauvreté là. Nous, quand nous peut proclamer ça sorte là, et nous peut dire, les Mauriciens ont droit à l'égalité pour tous devant la loi, déjà, ça c'est une affaire qui, déjà dans nos constitutions, ça. Nous besoin dans l'égalité devant la loi. Tout du monde nous est traité pareil par la loi. Mais déjà, nous connaissons que c'est pas le cas. Mais la pratique de l'intégration sociale comme un droit, bien sûr, nous n'ajoutons plus là-dedans et qui ça lit pas dans la constitution, mais qui fait bizarre outil? Parce que justement, il faut dès qu'il y a un Mauricien qui comprend qu'il y a une énorme évolution qui est bizarre. Une énorme évolution, je vous dis, un dimoun qui peine un toit, qui en confinement. Qu'est-ce que ça, il peut confiner là? En bas qui pont, en bas qui stop, il peut confiner. Et pourtant, l'État, il peut mettre confinement. Est-ce qu'il est ouvert à un centre? Est-ce qu'il est ouvert à l'espace? Ou ben, dis-moi, qui peine à logement. Parce que quand il y a un cyclone, c'est ouvert à l'école. Mais là, confinement, est-ce qu'ils ont ouvert quelque part? Ou ben, dis-moi? Non. Non. Parce que, finalement, ben, dis-moi, qui, dans sa situation-là, c'est toi, Dave, moi, et ben, les autres qui pouvaient les autres. C'est nous, ben, citoyens. C'est nous, solidarité, qui fait le travail de l'État, à l'aide de Benjamin dans le besoin, alors qu'il y a besoin d'un centre pour accueillir ce Benjamin là, je vous dis. Mais ça, c'est pas. Beaucoup d'ONG qui travaillent volontairement peuvent faire travail au gouvernement. OK? Mais c'est une ONG qui travaille actuellement. Ivo, nous venons au point numéro 13, si tu dis cause, le droit de vote. Hein? Donc, là, tout alors, le point numéro 13, c'est le citoyen mauricien. Allez-y, prends-le. Tout citoyen mauricien dispose du droit de vote. Les institutions responsables des différents scrutins ont la responsabilité constitutionnelle de s'assurer de l'accessibilité de ce droit. Mais l'INSA en Z, ça, a dit, par rapport à l'amendement qui tient dans le Finance Bill de 2016. OK, il ne passe plus là. Oh, si tu fais amende, si tu fais amende, qui la loi déjà, rappelle-nous? Donc, le Representation of People Act, que tu dis, qui cette fois-ci, l'État n'est plus responsable, toi, Tcholo, toi qui es responsable. À l'assurer que ton nom là-bas, sinon, on ne te parle là-dedans. Exactement. Okay. Exactement. Ça, alors c'est là, encore une fois. Tu fais ça pour l'arrêt de virer, ça. Mais encore une fois, allez, n'oubliez le gouvernement. Juste dans l'opposition, combien d'avocats il y a? Moi, tout de suite, là, il y a plusieurs autres noms qui dans la tête. Moi, aussi, des autres noms, là, pour pas pour d'autres, aucun, pour pas targuer d'autres. Mais aujourd'hui, dans l'opposition, là, combien d'avocats il y a? Il y en a plein. Moi, je ne suis pas avocat, moi, hein. Moi, je suis juriste. Et je dis à lui, oh, il faut, mon choisir n'a pas vu un avocat, parce qu'il m'a trouvé qu'il travaille, qu'il y en a pour faire dans un pays, là, aujourd'hui. Mais d'abord, c'est faire du monde qu'on a droit. Jodi, comment tu peux dire, Dave, juste avant dernière élection, maintenant, inverse la charge de la responsabilité. Quand avant, c'est Electoral Supervisory Commission qui te faisait informer du monde si jamais il peut y aller dans la liste électorale. À ce là c'est toi, citoyen, qui te faisait vérifier qui te donne la liste. Et quand tu vérifies là, faut espérer pour toi qui prend trop de temps pour faire ajouter ton nom. Parce que, malheureusement, et c'est pour ça notamment qu'il est dans sa section, hein, dans la proclamation des droits, je te fais contourner la loi
je te contourne la loi suprême d'un pays qui est notre constitution, qui nous constitution donne droit de vote à tout ban mauricien majeur et capable. Donc je peux faire lire, bien sûr, avec l'assentiment, le soutien de ban députés de l'opposition. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, la bataille, depuis le 15 février, après ban déclaration qui nous tendait de ban leader de l'opposition, je peux plus intéresser au poste constitutionnel qui a l'avenir de ce pays-là. Mais moi, je crois qu'ils ont dit qu'il y a une seule la force en face. La force, donc, du pouvoir en place, qui ont été là depuis 52 ans, ils ont été là. L'opposition au gouvernement est une seule ça. Ensuite, de l'autre côté, il y a une mobilisation citoyenne, il y a la force citoyenne qui levée, qui émergeait. Malheureusement, nous avons dit, il y a des affaires qui, pour bien faire, si nous avons envie, sortir de la situation actuelle, à moins que nous gagnions un miracle du côté de bonnes personnes qui, supposément, est élue du peuple et qui persiste dans l'opposition aujourd'hui et qui se décide pour trouver, réaliser qu'il n'est pas capable. Continuer leader, il va aller bizarre. Qui est un petit peu citoyen là, il fait bizarre. Quand nous sommes dans Sinois Law, le point 15 de la charte, aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté ou de l'intimité de sa vie privée si aucune charge formelle n'est retenue contre lui. Les actions de police portant atteinte à ses libertés doivent être strictement encadrés par l'autorité d'un magistrat dans le cadre de cette charge formelle. Moi, la Constitution. Constitution, c'est section 5. Qui lui dit à section 5? Protection of right to personal liberty. Ça? Exactement. Lui dire, nous le fait tendre qui la proclamation de la charte dit, hein. Lui dire, no person shall be deprived from his personal liberty, save as may be authorized by law, in consequence of his unfitness to plead to a criminal charge, etc., etc. Pas ça qui m'a fait envie, lui exote là. C'est voilà. Paragraphe 3 de la section 5, il dit comme ça, any person who is arrested or detained for the purpose of bringing him before a court in execution of the order of a court, upon reasonable suspicion of his having committed or being about to commit a criminal offense, upon reasonable suspicion of his being like to commit a breach of peace. Dans tout ça là, c'est déjà où comme ça, qui ou bizarre et n'a obligatoirement une affaire ou bizarre informe du monde là, l'eau qui motif ou perd. Ou bizarre du monde là, l'eau qui motif ou perd. Je dis dans Maurice, c'est si elle vient d'affaire qui a fait un provisional charge. Pénanonien, aucun port écrit. Il n'y a pas écrit aucun port à provisional charge, pas existé, pas écrit dans la loi, pas écrit dans la constitution, ça. Nous, constitution, dire comme ça, qui bizarre. C'est pour ça, vous pouvez attirer l'attention dans sa section 15, là, parce que comment nous trouver? Qui sont là qui peut autoriser ça depuis 52 ans? Parce qu'il s'agit de provisional charge, là, il arrive dans le pays au début des années 60, ça. Au début des années 60, c'est dans le colon britannique, il décide pour implémenter certaines mesures pour augmenter l'autorité. Mais comment se fait-il qu'avec nos constitutions, ben quelque chose comme ça capable de passer après 68? Parce que nous d'accord, avant 68, passer dans sa constitution là. Avant 68, passer dans ce qui est écrit dans nos constitutions aujourd'hui par rapport à protection of right to personal liberty. Mais aujourd'hui,
qui s'en a qui peut autoriser ça? Bon, ça y n'arrange c'est tout le tout bon malinquine là depuis 68, hein, ça arrange eux. C'est forcément tout ça dans du monde là. Et vous pensez qu'il est intéressant nous guette un peu à qui point ça servit le pouvoir. Et quand je peux cause le pouvoir, m'aurait dit, je pense au gouvernement et à l'opposition. Pour moi, tout ça là, d'un seul, un seul bateau, ça, un seul panier, un seul équipe, ça. Parce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a un move qui l'opposition parlementaire une faire après le 13 février. Ni dans l'intérêt du gouvernement, hein, ni pas dans l'intérêt des citoyens. Donc, quand nous prenons une section comme ça, là, nous causons section 15, si nous prenons, une autre section, nous prenons section 22 de la charte des droits, de la proclamation des droits. La section 22. Mm-hmm. La section 22. L'hypothèse, le Mauricien, l'idée, le Mauricien bénéficie d'un système d'éducation qui favorise le développement des talents de chacun par un système éducatif pratiquant l'intégration. Le système éducatif mauricien doit protéger de la discrimination, du surmenage et du stress lié à la compétition en faveur du développement de la confiance en soi et de la créativité. Alors, ça, là, dans cette section-là, nous capables de dire qu'il, dans nos constitutions, il y a une référence par rapport au fait qu'il nous besoin libre de créer dans l'école. C'est section 14 qui dit la liberté de créer l'école. Dans nos constitutions, pas dire qu'il calte l'école, non, nous besoin créer. Mais dans la proclamation de cette charte, nous venons amener un élément nouveau en parlant de quoi? Développement des talents, pratiquant l'intégration, un système éducatif qui protège de la discrimination, du surmenage et du stress lié à la compétition en faveur d'un développement de la confiance en soi et de la créativité. Moi, mon envie, dire, ben, aujourd'hui, là, quand nous trouvons ben, enfants, peu bizarre, ben, étudiants, peu bizarre, à le composer, ben, examen, dans conditions que je peux le faire, en ce moment, avec l'année qu'ils ont gagné, nous, on a tout à revoir et tout à refaire pour, l'avenir de notre pays, pour préparer l'avenir et la future, île Maurice. Et dis-moi une coup. Ça, ben, même du monde, qui pas me trouve nécessaire, mettre ben la loi, qui empêche la police, servir pour une autre chose, là. Est-ce qu'il, demain, je pouvais mettre un système en place pour améliorer le système éducatif? Un coup 5 crédits, un coup 3 crédits, un coup 2 crédits. Pas trop connu que pour aller à ces histoires-là. Mais je ne peux pas t'attaquer au fond du problème. Pour moi, je dis, mes enfants. Depuis 20 bonnes années, je tout au pouvoir à un moment donné. Hein. En m'orient avec X, oui. Y ou Z. Hein? Donc. Mon patron, c'est le poids pour un changement fondamental, comme on le dit, dans la société pour ça. Quoi. Mais, bon, finalement, un point, Ivan, au niveau du droit, par exemple, si nous causons droit à l'environnement sain et au bien-être, par exemple, okay? Un droit, certains pays, au niveau, c'est un droit par rapport à la liberté économique. Et comment on y place? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ou moins existant dans la Constitution ou pas du tout? À ma connaissance, je ne sais pas. Non, il y a dans nos constitutions concernant le droit à proprement parler de la nature. Mm-hmm. Mais quand nous capables à le rôder une protection, c'est par rapport au droit à la vie. Quand nous capables d'avoir une protection, c'est par rapport au droit à la vie, parce qu'il y a un lien entre la qualité de l'environnement, la qualité de l'air, par exemple, et la santé. Mm-hmm. Et l'État doit s'assurer qu'il nous vive dans un environnement sain. Okay? Donc, même si directement mais pas écrire dans nos constitutions qui une mesure de protection bizarre est n'a par rapport à l'environnement. Laisse-moi lire dans la charte qui est n'a au point 28. Le point 28 dit « La nature et l'environnement
sont des ressources essentielles pour la République de Maurice, qui a la responsabilité de les transmettre aux générations futures dans les conditions idéales de préservation. Les rivières, les montagnes, les plages, les îles et la mer font partie du patrimoine inaliénable de la nation mauricienne, tel que défini par la loi, dans le respect des libertés fondamentales. Ça devient une phrase importante. Tel que défini par la loi, dans le respect des libertés fondamentales. Ça veut dire que, par exemple, on fait le métro, ou décide pour bypass IAI, et on fait tout papier respecter les libertés fondamentales du monde. Tout du monde qui concerné pour sa projet là, ou papier respecter cette liberté fondamentale, qui est celui de vivre dans un environnement sain, dans un environnement que, il a une sécurité, vous êtes, aujourd'hui, nous trouvons que, même si quelque chose n'est pas écrit directement dans la Constitution, nous capables de trouver un chemin pour raccrocher à nos droits et libertés fondamentales, et surtout, nous avons revendiqué un élément fort dans sa paragraphe-là, dans sa section-là, nous dire que les rivières, les montagnes, les plages, les îles et la mer font partie du patrimoine inaliénable de la nation mauricienne. Il n'est pas écrit dans nos constitutions, ça. Il n'est pas écrit dans nos constitutions. Ouais. C'est pour ça qu'il y a important qu'il y ait un dimoun à capot deux autres droits. À capot des rues, on peut aller manifester. Ils ont manifesté, peinassois, nous ont manifesté, mais c'est nous, nous avons resté pour faire, mais nous manifester, jusqu'à ce qu'ils nous gagnent une création d'un mouvement qui est suffisamment fort pour imposer sa lobby-là, l'État mauricien. Je prends un exemple pour expliquer ça bien. En France, il y a une affaire qui appelle le principe de précaution. Enfin, en France, en Europe. Mais c'est la France qui, la première, in vine, soulève ce principe de précaution-là. Soulève ce principe de précaution-là dans ce propre intérêt, pour défendre ce propre intérêt. On va prendre dans le détail de l'affaire par rapport à ça, mais juste pour expliquer que l'inormal point de l'État, il est tout à fait normal point de l'État, de guette contre l'intérêt des sauts bandimoun trouvés. Aujourd'hui, quand nous pas connaît qui peut arriver, l'Ouaga, les gars, est-ce que l'État Attends, quand tu dis l'État dans l'intérêt sauts bandimoun, tu peux dire sauts bandimoun citoyens. Merci, Dave, d'amener cette précision qui est absolument nécessaire, des citoyens mauriciens. OK? Donc, les Mauriciens, bon, par contre, avant de nous dire citoyens mauriciens là, rappelle-moi trop beaucoup qui dans nos constitutions, à aucun moment, pénètre un Mauritians. Pénètre un citizens of Mauritians. On va dire, à aucun moment, pénètre un Mauritians dans nos constitutions, hein. Tout ça m'a déjà fait, là, c'est un élément qui, bien sûr, on va discuter après, mais ce que je peux dire par là, c'est que c'est le rôle de l'État d'être progressiste par rapport aux droits qui, ben, citoyen qui a fait expect ou par rapport à une protection qui, un citoyen peut atteindre. C'est le rôle de l'État d'être progressiste là-dessus. Et, malheureusement, nous trouvons qu'il, nous, dans un pays qui peine à sa qualité de considération là. Mais en même temps, m'aurait insisté là, il m'aurait dit à lui encore, il m'aurait continué à lui, il m'aurait pas, toutefois, ad vitam aeternam. Tant qu'il mauricien n'a pas accord par aux autres, les autres droits, n'a pas connu qu'ils ont droit. On peut pas dire, ou, à la fin, tout livre, la loi qui est, non, moi. Mais, ou bien qu'on minimum, ça, un à 16, là. Ou bien qu'on minimum, ben, protection, ben, droit et liberté fondamentale, qui étaient une liberté fondamentale, qui fait les fondamentales, qui fait y a un droit, qui fait y a une liberté. Donc, ça, c'est pour moi, la moindre des choses qui nous vient là. T'en arrêtes l'eau 16, me trouver. Qui fait le panel jusqu'à 17A? Nous pouvons attacher que tout bon camarade, le 17A, c'est une marie l'autique, ça.
17 ans, mon ami ouvrier des moments, donc 17 ans, c'est Payment of Retiring Allowances to Members. qui dans le chapitre 2, Protection of Fundamental Rights and Freedom of the Individual. J'ai des paroles là, vous n'arrivez ni à temps. Vas-y. Oui. En fait, moi, mon obligatoire, Payment of Retiring Allowances to Members, comme tout retiring là-dedans. Vous avez bolom. Non. En vérité, ça, nous devons comprendre, hein, est-ce qu'il pour paiement de retiring allowance, normalement, vous avez fait des mandats. Je vous ai précisé, que tu peux pas le mentir, hein, Oui. Donc, pour gagner pension parlementaire, quand nous faisons pension parlementaire, nous faisons beaucoup badine, hein. Nous faisons, moi, pas connaît. Moi, je ne pas connaît personnellement qui y était. Il faisait au minimum un tiers de ce qu'il y a un député gagné. Il faisait dans les 50 badines, moi, supposé. Si ce n'est plus. Mais peu importe. Ce qui est important qu'on prend là-dedans, c'est qu'il salamone là, saute dans nos postes, et qu'il bande du monde dans le pouvoir, il servit la monnaie qui saute dans nos postes, pour assurer eux-mêmes, qu'ils ont pourraient s'en place tout le temps. Qui fait un mot de ça? Parce que dans les années 70, comment je te connais, Tibizin, il n'est pas d'élection. Mais pas n'est pas d'élection, il n'est pas une seule élection. Et en fait, il y a l'accord avec là, l'opposition, le gouvernement, l'accord, là, hein, comprend bien, là, parce que 4 pensions que je vous gagne, là, j'ai l'accord, là, hein, qui tombe l'accord, c'est une affaire incroyable, tout simplement. C'est qu'il y a 10 moun, une siège dans le Parlement, un seul mandat, mais c'est mon gain pension en vie. Et na dimoun, zo di la la la, et na dimoun, sou na lis, lot, etc. Ok? Qui ne part en bas le coup d'en la loi, pour gagner pension à vie, parce qui, à ce moment-là, quand ils travaillent, PMSD, MMM, PSM, MSM, pas trop qu'on existait, mais MSM aussi, une passe au bout d'après lui aussi. Ça veut dire, je passe la loi. Encore une fois, vous trouvez là, il tombe dans la section qui cause le fundamental rights and freedom of individual. Il rentre là-dedans dans sa section-là, la ligne. Mais c'est moi, ça veut modifier sans aucun problème pour garantir qu'il jette Bandimoun, reste jette Bandimoun. Donc, à ce moment-là, si Mauricien a envie de comprendre, il comprend, s'il n'a pas envie de comprendre, et continuez comme ça, continuez dérouler, comme on va dire. Ne va vous cacher du huile dans les oreilles, pas. C'est un peu compliqué, là. tu as d'autres points à ajouter, ou peut-être me rajouter un point, liberté économique, bon, il y a assez nouveau, hein. Donc, il y a assez nouveau, en fait, c'est un modèle que c'est rien à voir avec liberté économique, ça veut dire, n'est-ce pas un modèle économique libéral, ultra-libéral, whatever. Il y a un modèle que les fausses l'État, les fausses aussi bien fonctionnaires travaillent d'une façon qui n'est pas venue poser un problème. L'économie, l'intérêt économique, vous connaissez parfois quand il y a du monde à ses effets à lire. Ouais, travail là, roulez pour eux. Mais pas pour le bien de l'ensemble, pas pour le bien commun, pas pour le bien du pays. Okay? Donc, certains pays peuvent travailler là depuis quelques années. Mais c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait. Donc, vous pensez en lui-même, c'est. Peut-être là, pour un budget peut venir, vous pouvez réfléchir à vous avec les autres camarades, vous réfléchir un peu plus dessus. Tu as d'autres points que tu as envie d'ajouter à non. Ça point que tu as soulevé là, liberté économique, je pense que ça aussi, il n'y a pas autant de nous causer. Personnellement, je crois que nous l'économisons aujourd'hui, dans Maurice, stagner au moins depuis 20 ans, nous l'économisons, peut stagner. Mm-hmm. Qui faire? Toujours pareil, pour bonne raison de copinage et de protectionnisme et de favoritisme. Get ça. Dans nos pays, on dit, ban grand groupe
et dans la main Zislo tout. Là 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 pendant confinement là hein. Mm-hmm. Bah, pendant confinement, ban global business companies, on peut dire ou ban centre d'appel qui peut rendre service en Europe. Ça veut dire ban di moun peut répondre téléphone pour qu'il système d'alors monsieur, madame qui peut vivre en Europe. OK? Ça ban compagnie là, il gagne quoi? Ça ban compagnie là, il ka opéré. Ah bon? Bien. Okay. Oui, bien content pour eux. Mm-hmm. Bien sagrin seulement, d'un autre côté, qui nous est aujourd'hui un jeu m'en foutisme économique dans Maurice. Comme ça qui nous appelle. Nous est un jeu m'en foutisme économique parce que l'État et le secteur privé aussi responsable de ça. Le secteur privé pas engagé à aucun moment dans une réforme qui bizin. Pas vine dire moi qu'ils ont pas trouvé le secteur privé qui t'en fait vendre terrain bout de bout qu'on fait iOS. It's a dead end. Pas vine dire moi que je pas trouvé. It's a dead end. Mais seulement, je n'ai qu'une fée tranquillement, qui faire pour ne pas déranger le roi du jour, pour ne pas déranger l'empereur du jour. Et en fait, aujourd'hui, et dans certains, ça va un grand groupe là, on va dire, qui ne mettent même en danger, terriblement en danger, parce qui justement, ont adopté le je m'en foutisme économique qui l'État a pratiqué depuis, depuis les années 80, 90, depuis 90. Depuis qu'il finit la révolution textile, depuis qu'il finit sa révolution agricole là, comment il finit ça? Il finit l'aime. Pas dans l'autre développement, et ce je m'en foutisme économique, pour moi, ça, le secteur privé est autant responsable que l'État de la situation de notre pays par rapport 100%, à... 100% d'accord avec toi, Evo. C'était une très, très grosse responsabilité là-dedans, OK? Et bon, bah, OK, ça, si on a fait... mon collègue, toi, ton collègue, moi, ça a gagné ce bout, l'autre, l'autre, etc. Donc, on dit pas besoin de plaigner, hein? Donc, mais bon, il commence à habiter rouler. Et le camarade Rachna, il a quelques questions. Il peut arriver 21h20. Donc, quand Rachna, il nous donne 10 à manger, salier là. Et nous, Carriona, et vous, tu as un point spécifique pour la fin? Au niveau ben, droit, nous peut, comment dire, nous brosser un tableau là, assez rapidement. OK, il y a pour autant hier avec Ramon Spekoze, donc tu trouvais qu'il y a pour autant faire ben, des affaires très spécifiques au niveau ben, droit, dans plus de détails. Hein? Donc ça, nous allons travailler ça ensemble après. Et si il y a un camarade de tous les suivants qui ont envie d'avoir aussi ben, suggestion, commentaire, qui ont envie de connaître, qui ça pourrait être nous pour mettre en place un modèle. Hein? Bien sûr. Donc, et vous, moi et l'équipe de nos côtés, nous travaillons un modèle 100% collaboration. Vas-y. Oui. Alors, il y a un point qui m'a pensé, il y a un peu autant me soulever, parce que dans Maurice, c'est un man pays quand nous consommons plus beaucoup la drogue. OK? Mm-hmm. Et, alors, dans la sorte, quand on cause la drogue, madame l'a débloqué. Allez, vas-y, continue. Donc, un moyen d'intervenir. Moi, je prends comme dernier point qui m'a pu citer de la sorte de l'Union citoyenne, qui peut proclamer un droit et liberté fondamentale des citoyens, au nom des citoyens mauriciens, pardon. Les citoyens de la République de Maurice qui souffrent d'un handicap physique ou mental, d'une maladie chronique ou d'une addiction, bénéficient d'un statut spécial leur octroyant une protection accrue de leur liberté fondamentale. Ah, c'est là qu'on nous guette dans nos constitutions. Mm-hmm. C'est Protection of Freedom. Quand nous guette dans nos constitutions, les préciser dans nos constitutions, là, mon begin and blank, là, moi, je rappelle qui section ça exactement. Mais quand il dit comme ça, voilà, il a, c'est section 5. Qu'il dit comme ça, section 5, Protection of Right to Personal Liberty, paragraphe
H, in the case of a person who is reasonably suspected to be of unsound mind or addicted to drugs or alcohol, for the purpose of his care or treatment, or the protection of a community, he can be deprived of his liberty. Ça veut dire, section 5 dire, no person shall be deprived of his personal liberty, save as may be authorized by law. Et ce qui la loi autorisée, c'est qui dans ce paragraphe H, il dit, in case, dans cas, Ndimoun est raisonnablement suspecté d'être mentalement atteint, unsound mind, ou alors addict à la drogue ou à l'alcool, c'est précisé dans la constitution, hein, drug or alcohol, et là, il dit, for the purpose of his care. D'abord, on me pose une question. La plupart du monde qui est en prison dans Maurice, est en prison pour une caisse de la drogue. Plus que 80% caisse dans Maurice, c'est la drogue. Qui care de gagner? Ok. À ce là, ban qui pas dans prison, mais qui est condamné, qui a un traitement méthadone. Qui care de gagner? Zéro. À ce là, au treatment. Traitement, vous dites, moi, mais je gagne méthadone. Mais puis, il y a un seul pays au monde qui fait ça, hein, distribuer méthadone sans traitement, sans accompagnement psychologique, sans accompagnement social. Il y a des affaires qui disent là. Accompagnement psychologique et accompagnement social. Pays dans nos pays, ça. Dernier point, il dit, for the protection of the community. Correct? Mais moi, vu que connais-moi, tout ça, man consommateur masse, tout ça, man trafiquant masse, moi, je cause masse, hein, moi, je cause les autres la drogue, là. Qui dans prison, là? Qui dans les autres étaient pour la communauté? Qui dans les autres étaient, les autres représentés pour la communauté? Moi, je cause, man, j'ai moun qui fait vin pour bateau, bel bateau, puis vin craso nous brisons, là, là, moi, hein? Moi, je cause, ça, là, moi. Moi, je cause, Tatizenes, qui va n'en maïe, on peut cause ça là, moi. On peut cause Tatizenes là. Parce qu'il s'agenesse là, quand il y a le dans prison pour trafic, à cause d'une gagne, il y a des temps pour Yamas, c'est qu'arrivé quand il sortit dans prison, il comprend synthétique, il comprend piqué, il comprend tout ce qu'il faisait comprendre là. Donc, vous pensez, il y a important, termine l'eau, un point aussi, entre-temps, et vous, ban skin amène cocaïne de tractopella, je peux checker mes autres. Pas connecté, non, je peux checker ça. Et donc, comment vous trouvez dans le constitution? Vous voulez dire, l'indien la dernière fois, l'indien l'IMCF mafia, pas l'IMCF qui dit ça? Moi, je t'en dis ça, ouais, moi même CF mafia, moi, je peux rappeler ce nom, enfin, anyway, pas grave. Rachna, et puis arrive la fin, ma fille, très court, vous faites bien, Marie-Pain. Il y a quelques trois petits suggestions, trois petits commentaires. Dave, pour quantité de personnes qui own en la case dans Maurice, et madame appelée Sarah Dora Smith, d'où le défi médiat qui mettait en 2011, 89% résidents own their house. Donc, il met un lien dans le commentaire, nous avons vérifié. Et une madame appelée Sakin Kara qui dit instauration de l'éducation civique au collège. Attends, à nous prendre pour un. Donc, ça chiffre-là, il y a des chiffres. Okay, 89% des résidents own their house. Ouais. Right? Donc, tu en as les familles et tu en as la population. À Singapour, c'est 90,4% de la population. Ouais. Là, nous pécose, ben, famille, en fait. À Maurice. Moi, j'ai déjà fait sa remarque là à l'époque qui est au niveau de la presse, dis-moi, mais il y a un problème dans Maurice. Je me dis, oui, mais soit tu calcules une famille, il y en a 300 et quelques mille familles, arrivez-vous, corrige-moi, 50 000 par là, ou sinon, nous peut causer 1,2% de la million de la population. La Singapour, je le fais calculer là sur la population. Donc, il y a une très, très grosse différence. Population singapourienne, il y a à peu près 6 millions. Singapour, il est trois fois plus petit que Maurice. Allez, carry on, deuxième point. Attends un petit coup, juste un point. De toute manière, que nous prenons l'idée du point de vue des familles ou alors des individus, si nous avons 89% de owners,
sinon 89% de owners. 11% pénal la case. 11% défaut, l'État n'a pas faire. La société n'a pas faire. Vous assurez qu'il y a toujours une toi. Tu es toujours positif, toi. Hein? Partout, les autres côtés. Allez, nous allons réussir 11% là. Mais au moins, là, moi, c'est là-dedans, non? Fin d'esprit, exactement. Si nous prenons ce chiffre-là, allons dire 11% pénal la case, mais qui veut dire 143 000 divines dans Maurice pénal la case. Non. Non, non, c'est le chiffre calculé par famille. C'est un chiffre par famille. L'autre 11% là, il y a beaucoup de locataires. Donc, ça veut dire que 11% là, c'est 20 000 divines. La case, c'est ça le. Mon estimation, en tout cas, j'estime 40 000. Exactement. Qui n'a 40 000 personnes qui vivent dans la ville? 40 000 familles qui pas ouais. Ouais. 40 000 familles. Mais qui non, reconnais-moi que mes 10 000 dans Maurice Pénal et toi, l'on se traite aujourd'hui. Pédomidolari en bas, etc. How many people mais, do we have? Vous avez demandé, Pravin Jagnat, il n'est pas fait un calcul là, il n'est pas dit en 2018 ce budget? Avec tes 60 poches de pauvreté, il finit faire calcul. Après, nous sommes dans Gadou. Moi, il y a pas qui Gadou. Obi Gadou. Comment tu fais l'enquête? Tu finis pour son minadin, une panne fauteuil. Non, mais Obi Gadou aussi, il fait son enquête. Il est parti dire l'année dernière, qui ne me rappelle si c'est lui ou quelqu'un d'autre, qui dit c'est un petit dialogue, qui dit c'est aussi responsabilité de l'Église. Après, l'Église, il répond lui. Je ne me rappelle si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Mais tu sais, il fait calcul là, je vais mis de l'avant, je même. Vas-y. OK, bon, allez, me prendre une suggestion de une madame qui appelle Sakinkara. Il dit instauration de l'éducation civique au collège avec apprentissage ou lecture de la Constitution, qui me entièrement d'accord, ça me dit au début. Bien bizarre, mais un sujet sur la Constitution et les droits civiques de bon citoyen. Et puis, il y a une autre suggestion de monsieur qui appelle Rajivnath Chikuri. Et on nous prend le deuxième point là. On nous prend le deuxième point là. Donc, Bizin fait traduire de law book en créole et Bhojpuri pour les Mauriciens. Il n'a beaucoup pas connu le droit et la loi. Bizin shake up ça. Nous pouvons servir la loi anglais, c'est qui pas concerne nous du tout. Alors, qui se tape en fait l'on a des points qui n'avancent là? Mais bon. Donc, les mots rajoutent là. En 2019, moi, quand on citoyen, il fait sur une proposition par rapport à ce programme, etc. Le tout, nous travaillons en premier le une réforme pédagogique au niveau de l'éducation. Tout ça là fait partie, il n'est pas qu'à dire qu'on les rajoute un sixième décisé. C'est une réforme de son ensemble qui peut bizarre à partir de 4 ans, 5 ans, le tout, etc., etc. Bien sûr, il est extrêmement important. Aïe, vous, tu peux dire quelque chose comme ça? Ouais. Non, mais tu peux dire que la question porte sur, rappelle-moi, Rachna. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt comment nous éduquons la population sur la Constitution et les lois qui existaient pour eux. Donc, est-ce qu'il y a une nous capable de traduire le law book en créole et bhojpuri? Et madame Zetoff met une éducation civique au collège pour que les enfants soient capables d'apprendre la Constitution. La Constitution. Mm. Qui te views là, toi? Alors, pour moi, premièrement, apprendre les droits et libertés fondamentales à les étudiants dès le secondaire, les primordiales. Primordial, absolument nécessaire, parce que justement, nous pas pour capables de gagner une société de Mauriciens demain qui exerce ce droit de citoyen comme il se doit, si lui-même n'est pas connu qu'il y ait un droit, qu'il y ait un droit. Ça, c'est N. Deuxièmement, moi, mon déjà commence à travailler de traduction, hein, de les premières sections, les 16 premières sections de la Constitution. On commence le travail de traduction là, et là, Jimoun peut aider moi, bien sûr, mais pour moi, ça, c'est absolument fondamental. Bon, moi, je peux traduire en créole, donc je peux traduire en créole. Si on a les autres Jimoun qui peuvent traduire en bas, qui est intéressé, vous donner un coup de main, pas hésiter, coster, venez donner un coup de main, parce qu'il nous besoin Jimoun, venez soutenir sa main de projet, qui vient promouvoir
le droit et la liberté fondamentale mauricien, cubain mauricien. Et me rajoute en plus, si ça commence au niveau du secondaire, ça peut permettre nous gagner une autre catégorie zénès qui vient aussi ban critical thinkers. Vas-y, et non pas que des moutons, mais me trouve ban mouton aussi, mais commence à protester à ces obédiens, pas qu'on pense que c'est humain. Ok. Allez, t'as dit un point. Ben, moi, ma question à toi, Aïbo, c'est bon qu'il nous suit toute sa convention là, maintenant la convention de Berlin, maintenant convention des droits humains des Nations Unies. Mais qu'est arrivé quand un pays pas respecter sa bonne convention là? Qui recoule légal nous là pour faire pas pays là, mais plutôt le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui respecte pas. Qui recourt légal nuina, qui ban recours international nuina, ou bien qui ban sanction qui possible quand il a ban abus de des droits humains. Ok. D'abord, dépendant de la nature des abus, il a certaines instances vers qui nous dirigeons. Par exemple, si il y a un cas de torture, si il y a un cas avéré de séquestration, de violence étatique, hein, comme ça a été le cas, par exemple, dans le cas Kislen, si c'est avéré qu'effectivement, il y a bien sûr une condamnation d'un ministre dans ce cas-là, par exemple, là, et il y a un organisme au niveau international qui nous rapporte ça un événement là, il y a une organisation dans Maurice, Transparency, etc., qui peut certainement capable rapporter ça une situation. Mais au-delà de ça, quand nous avons déjà le grading de Maurice aujourd'hui au niveau international, nous avons dit degrading de Maurice. C'est-à-dire que Maurice est dégradé dans tout un classement qui est capable d'être là. Mais vous pas trouver comment une dimoune encore qu'à venir la télévision. Hein, Pinocchio vient dire, nous travaille, mais si ça qualité de travail là, tu peux dégrainer, comme ça, tu peux dégringoler. Mais dans ce cas-là, arrête de travail, frère. Il faut que tu fasses du bien pays là, c'est arrête de travail. Mais pour revenir spécifiquement à l'autre question, Rachna, il y a pourtant nous comprendre l'affaire. La société humaine, elle traverse beaucoup d'époques. Nous pouvons vivre l'époque en ce moment de la loi, l'époque de la loi, comment dire, sacro-saint loi, le légicentrisme, appelle ça en français, dire ça, comment dire, la loi est au centre de tout. Et bien sûr, dès qu'on dit que la loi est au centre, qu'est-ce qu'on a immédiatement à l'autre bout? C'est la justice. Puisque c'est la justice qui vient établir comment est-ce que la loi doit être appliquée et comment est-ce qu'elle doit être respectée. Mais il y a des affaires qu'il ne faut pas oublier. Section N de la Constitution dire une république souveraine et démocratique. Cet élément souveraineté-là, il est dans nous la main. Ça. Mais nous, aujourd'hui, bande mauricien, nous bisons à apprendre d'abord nous bande droit pour qu'ensuite, nous car revendique ce même droit là comme bizin vis-à-vis d'une instance la justice même aujourd'hui le judiciaire excusez-moi de l'expression pour moi l'expression qui c'est qui le judiciaire n'en a rien à faire du citoyen combien d'immunes dépose pétition électorale dans nos constitutions n'oubliez qui parti qui dit ça, mais en tout cas, dans ma section 1 à 16, il dit où comme ça que la justice doit être rendue dans un délai raisonnable. La justice doit être rendue dans un délai raisonnable. N'oubliez qui section 1 à là-dedans, mais dans nos constitutions, il dit où justice, il a besoin d'un délai raisonnable. Et là, il arrive un an et demi, là. Là, il arrive un an et demi, ben,
dans la Cour suprême, pas trouver que moi dire, j'ai mis une pression, j'avance un coup la pétition électorale là. Donc, arrive un moment, le citoyen doit se rendre compte qu'il est seul et qu'il doit trouver des moyens pour agir qui seront, j'ai envie de dire, beaucoup plus directs, démocratie directe. Justement, Ivo, get ça. Pour tout ce monde ministre, tu obtiens deux P santé, Cyber Island, Cyber Hub, etc. Mais pas capable, roule le judiciaire, même en période de lockdown, à travers visioconférence. Nous, on a l'affaire Boscalis, dans un pays que tu as supposé, nous, un pays qui a avancé technologiquement à Maurice, tu as un monde qui peut dire à toi, peine internet, donc pas peut conduct the courts. Alors, ça même peut dire à toi, nous, la cour, dans la loi de toi, 21 ans, pour te loger une pétition électorale, right? Il arrive un an et demi, on dit, nous, ban la cour, papé décide pour vraiment push pour qu'il s'abonne pétition là, être entendu. Parce que c'est très, très important. C'est pour la démocratie. Alors, qui mène nous oblige à s'abonner à l'institution là, travaille pour nous? On a Allez, fait Je vais mettre l'un d'autre manière. Et bon, tout dans la main du chef juge, nous l'élu palais, c'est lui qui va décider quand. Right? Mm-hmm. C'est lui qui peut décider, c'est tout seul décider quand pour prendre telle pétition, tel numéro, telle ceci, telle cela, ou telle caisse constitutionnelle. Quelle fois il est capable de décider, ben, il y a prend caisse constitutionnelle quand il finit de tout caisse au niveau pétition. Bon, pas connu. OK, tout dépend de qui n'a dans sur la tête, qui tout seul, il est le seul juge de... Ah, c'est comme ça qu'on nous dit ça. OK, il est le seul juge. Mais de l'autre côté, souris, nous n'avons l'armée dans l'opposition. Hein? Man l'armée qui ne fait... qui existe moins, il dépose sur une pétition là. Beaucoup là-dedans dans le Parlement, et je ne sais pas qu'on fait tapas puisqu'il est les autres, c'est ce drôle en premier pour faire cette tapas là. Qui système là sans et autant que possible alerte l'opinion internationale côté n'a pour alerter moi pas dire fait alerte mais c'est je trouve en premier arrive au mot pense qu'il arrive au dire à ces citoyens mais ça comprend un peu plus puis sur responsabilité Pévin encore plus à ce dit parce qu'il y a les autres qui peut payer qui abdique cette responsabilité tout simplement parce que système là correct pour autres. Je connais qu'un pour aller, l'autre pour venir, je pourrais m'envoyer ensemble. OK, deal là pour rouler. Lui. Tu vois, mais là, il vient une responsabilité citoyenne. Citoyen qui me comprend dire, hé, pas assez, nous plein en zone. Plein que ça couille dans le système là. Vous connaissez, Dave, au Parlement... termine l'eau là. Deuxième chose. Maurice, nous, depuis les années de corrigement à vous, 75-76, nous faisons partie de l'OIA. On est un pays africain depuis ça, à l'époque là. Right? Ouais. Souvent, Mauricien, Mauricien qui n'a pas l'occasion de voyager, surtout pour un ancien, pour mon maman, par exemple, ok? Tu m'as dit, yo, qui tu m'as fait l'Afrique? Et papa, Maurice peut dégringoler un de l'autre de l'indice africain. Right? Semaine dernière, Ghana, qui me croise au PIB dans les 800 dollars, pas là comme Maurice dans les 12 000 dollars. Ghana, il fait élection en décembre 2020. Semaine dernière, sur la Cour suprême, il finit dans ce ruling, 3 mois après. OK? Malawi, l'année dernière, Kenya, même histoire. Mais nous pouvons baisser par F, un des yellow. Right? Je comprends ce qui est bizarre, je comprends ce qui est vous, petit. Bizarre faire confiance, manière que le judiciaire a fonctionné, qui nous pourrait se copier, nous mettre une espèce de bandeau mouton dans la tête. Non, Maurice, c'est ainsi, bizarre, vous voyez ce que ce n'est pas arrête de lire la gazette, écoute MBC. Il y a un malin qui a MBC, heureusement, écoute moi MBC là, il y a un tas de monde qui ne comprend pas ce qu'il dit. Mais, enfin, il y a une république bananière. Et tu viens que je vois. Nous pouvons terminer par la même, ou laisse-toi faire un mot après avoir le mot de la fin? Obama, tu dis, nous, le premier. La première génération qui peut ressentir ben, l'effet du changement climatique. Et nous aussi, la dernière génération qui est capable de faire quelque chose about it. Do something about it.
Mais moi, je vous tourne ça, alors, nous, Man Mauricien, et surtout, ma génération, nous, la première génération qui peut trouver une dégradation dans toutes nos bonnes institutions, toutes nos bonnes piliers économiques, peine à haine qui peut bosser, nous, la première génération qui peut réaliser ça, mais nous, la dernière génération qui est capable de corriger ça. Alors, bien viser à lever, sinon, nous, nous donnons la peine, cette génération qui peut derrière nous là, je donne des fois plus la peine. Il vous prend trop beaucoup de temps et Zorodizo, il n'est plus comme en 80-82 que Patina autant compétitivité au niveau international. À Zorodizo, si le pays peut tomber, il est très difficile pour remettre nous sur les rails. Donc, réalise ça avant qu'il y ait trop tôt. C'est un bon message à la jeunesse, mais aussi pour un ancien qui vise à calculer pour ce petit à Zorodizo, pour ne pas être plus de poste, calculer pour l'avenir de ce petit à Zorodizo. Merci, Rachna. Aïe, ben, moi, d'abord, je remercie toi, Dave et Rachna, pour l'opportunité qu'ils nous gagnent aujourd'hui, pour causer un peu nos bons droits. À chaque fois qu'ils m'essaient de faire ça, je me rends compte à chaque fois à quel point il est difficile. Parce que quand nous causons nos bons droits, en fait, les nécessaires causes cadre dans lequel ce droit-là est appliqué. Et puis surtout, les responsabilités qui incombent à chacun à partir du moment où on a un droit. Quand on a un droit, on a une responsabilité. Et en l'occurrence, par exemple, aujourd'hui, nous, Man Mauriciens, nous avons la responsabilité de revendiquer l'existence de ces droits et libertés fondamentales qui peut être bafoués, qui peut être complètement traînés dans la boue par Ban Ki-moon, qui n'est pas un démocrate, c'est un dictateur en puissance qui bien heureusement, serait mobilisé à dire, nous constitution suffisamment solide aujourd'hui pour empêcher de nuire, mais pour combien de temps encore? Et c'est pour ça que les Mauriciens bien prennent conscience que l'heure est grave. C'est pas parce qu'ils m'ont gagné ça d'en dire ça, ou bien Rachna gagné ça d'en dire ça, ou Dave, ou tout ben du monde qui vient de recevoir avant, et tout le monde qui pourrait se voir après, Pénocan Nissa dans une affaire pareille. La situation nécessite à ce qu'Iban Mauricien adopte une autre attitude vis-à-vis du pouvoir en place qui, lui, veut nous pousser dans la violence pour nous obliger selon ses souhaits. Hein. Une fois qu'il nous pousse dans la violence, en tout cas, oblige-nous à marcher selon. Voilà. Merci, Iban Kamaran. Donc, pour terminer, mon partage avec vous, demain, jeudi, nous proposons nos démocraties parlementaires, donc démocratie constitutionnelle et parlementaire, qui manière nous parlement fonctionner, qui est dans la Constitution, nous connaissons qu'il y en a un speaker, loudspeaker, whatever, qui est goalkeeper, exécutif, qui l'exécutif in take over le Parlement, le législatif, et ces histoires-là n'ont pas roulé. Donc, moi, invité demain avec qui nous pour causer, c'est Nando Boda, qui est dans le Parlement de l'autre côté banc. Donc, il a souvent démissionné du MSM en tant que membre du MSM et secrétaire général. Donc, avec Nando Boda, nous pourrons aborder tout ça demain, démocratie parlementaire. Et nous pourrons, toujours comme d'habitude, Rachna Poula pour prendre une question. Et à bientôt. Merci à bientôt. Les amis.